sommes au Fieré. Premier jour. Oh là là. T'es bien au Fieré? Et cette marina là, c'est... Ils sont arrivés, ils ont dormi là-dedans. Bon, il est 18h, il est 16h51. Hein. Non, il est 18h51 ici. Panama, regarde. Ouais. On avait vu à Cherbourg. Bon, ça pour Bruno, au cas où ça lui rappelle quelque chose. Nous sommes à la Marina Zea. Tu vois, ils n'ont pas encore inventé l'antenne télé collective. Sunshine, le Cap Sunion, puis la première île au large. Alors juste devant, c'est une grue pour faire du saut à l'élastique. N'allez pas là où il y a les touristes. Voilà, ben on va manger ici. Hydra. Là, il les fait sécher, puis là, je prends juste avant de les faire en barbecue. Voilà le port du Pyrénées, là-bas. Le port principal. Et là, il est parti pour faire une belle croisière de nuit, lui. Hein. Hein?
C'est Égine, avec la Ghia Marina et le temple d'Afaya sur la colline, on le voit. Là, il commence à en faire. Ça, c'est la pointe sud d'Égine. Ce navet, ça vend une manche d'aération. Ah, c'est pas très joli. Voilà, ça c'est notre ferry pour Spetsé. Sido más.
travaillerai pas un jour de plus. Hein. Ça, il va. Juste place. Ils vont partir là. Natalia, Natalia. Hôtel. Écoute les grillons. Lors du remous de la ville. Cette dame-là? Oui. Moulin comme à Mykonos. Oh.
personne du rhum. Par contre, pour la qualité, arrivons sur Spetze. Hermione.
000 habitants. Nous avons un balcon face à la mer. Oh oui, c'est superbe. Moins de 200 francs la nuit. Il y a une petite cuisine à Villers. Un super balcon. Alors, ben moi, je fais pas un jour de boulot supplémentaire. Hein. Pas un jour de plus. Ah, toutou. Qu'est-ce que tu dis? On s'en va quand? On se fait tromper. On se fait tromper, on voulait aller à la plage, sur l'île de Spété, et on est venu sur le continent. On rentre partout ici. Alors nous sommes toujours à Spetsé. Ah bon? Vous êtes parce qu'il y a dans il ce petit sûrement port. Un bain d'eau petite crique, t'as pas. Oh, je crois qu'on va manger là. Voilà. Toujours Spetsé, hein. 17h29. Le cas. Entendez-vous les grillons?
un richissime anglais, Max Fallot. Il est 19h34, nous sommes en train de... Nous allons prendre un richissime. Le vide s'écale. Il a un problème de moteur. Et t'arrives ici, tu mouilles, pour passer la journée à te promener dans les îles, et tu mouilles. C'est toi le capitaine maintenant. Alors je réveille à 8h13. Nous sortons du lit. Il fait toujours un temps superbe. On a bien dormi. On a été réveillé par un âne et par tous les coqs du village. Ah, vous entendez les grillons? C'est le réveil. Nous essayons nos premiers mountain bikes. On va faire le tour de l'île. Ce soir, on rentre par le Condor de 19h qui arrivera à 21h. Un magnifique conglomérat, superbe. Formation de transition entre les formations marines et terrestre. Bon, je te prends aussi l'ornie. Superbe. Grillon. Pas là. Oui, le Christ a ses doigts. Le Christ roi. En signe de d'enseignement. Ça a été gardé dans toute la iconographie byzantine. Ça me rappelle la forêt d'Aïton en Corse. Mais 10h23 déjà. Toi, tu mouilles. Tu mouilles dans une petite crique comme ça. Tu te baignes. Oh là, mais ça dépasse complètement toutes les espérances. C'est plus beau que ce que je pouvais dire.
t'as des petits cailloux. Voilà, c'est bien, t'es en développement maximum. Et voilà notre futur mouillage. Toi, t'es grec? Non, c'est pas des grecs, là. T'es en développement maxi. Allez, vas-y, descends, vas-y, monte ta fille. C'est bien, ce bateau-là a deux cabines arrière, c'est ça qu'il nous faut. Là, notre restaurant, on va se payer, on va prendre notre ouzo. Grillon. Non, il nous faut un bateau à trois cabines. Je suppose, ouais. Mais c'est fantastique. Alors, nous sommes sur la pointe sud de l'île de Spetse. Il est 12h48, une chaleur torride. Alors on voit là-bas, ce que vous voyez tout de suite, là, c'était le continent, le Péloponnèse. Oh là là. Il va être trop petit pour vivre en permanence ici, ce bateau. Natalia. Formation conglomérat. Alors là, il y a tout conglomérat là-dedans. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien. Alors là-bas, le Péloponnèse. Oh, je ne peux pas attendre de venir. Hein. Pas un jour de plus, je travaillerai. Voilà, nous atteignons la pointe qui est sud-est de l'île, et là-bas, la pointe ouest, avec le Péloponnèse. Paradis, il est sûrement moins beau que ça. Oh. Je ne peux pas attendre d'y venir. Il y a un moment qu'on a quitté la route. J'espère qu'on va bientôt pouvoir prendre notre ouzo et notre salade grecque. Greek salade. Ouzo. Ah oui, il remonte le Meltem. Ouais. Ah, je te dis pas la chaleur qu'il fait maintenant. Hein. 13h06. Il doit faire 40. Mais enfin, on a nos chapeaux de soleil. Oui, maintenant, on va voir le Meltem. Nous allons remonter par le Meltem. Ça, c'est notre ouzo. Les petits bateaux d'anglais, là.
Bon, c'était pas Louzo, mais Louzo, c'est 2 km plus loin. C'est de l'eau poétique. Je dis pas la chaleur qu'il fait, hein. On est au sommet de la couche de conglomérat. Ici, en fait, comme les couches sont orientées nord, ça doit être nord-est, sud-ouest, et ici on est au point haut et au toit. Alors j'espère qu'ici c'est l'eau. C'est les Saintes à Narguiri. Les Saintes. Ah, les Saintes à Louzo. Aïe aïe aïe. On vient de monter en mountain bike. Ouh, fin le calcaire. Là, il est. Alors là, nous sommes sur la côte est de Spetsé. Ah, j'en oublie le nom tellement c'est bon. La première marina au sud-est. Les Saints Anargues. Grillon. Ah, ça a été la descente. Change de rapport et puis on va à Louzo. Ce bateau là. Ça, c'est le bateau qui amène les touristes de Spetsé du port à cette plage. Il y a un autobus. Encore un qui arrive. On vient de passer une demi-heure d'Ouzo, hein. On est à moitié ivre. Ils sont complètement finis, les Ouzo, là. Voilà, il est vide. Complètement vide. Il n'y a plus rien dedans. Le capitaine est complètement ivre. Où est-ce qu'elle est ta casquette de capitaine? Où est-ce qu'on était à Spetsé? J'ai complètement tout oublié, moi. On est loin encore de Spetsé. Oh là là. On a fait beaucoup de kilomètres et il y en a encore beaucoup à faire. Alors là, nous repartons sur le port de Spetsé. Louzo nous a fait beaucoup de mal. Aïe aïe aïe. Mais il faut y aller parce que les vélos, il faut les rendre à 7h. On y va, hein. À nous les cloches. À nous les cloches. À nous les cloches. Ah oui, la cloche. C'est la plus belle des cloches. À nous,
Nous, on y va en vélo. Hein. Et c'est là la plus belle des cloches. Oh, c'est terrible. À tout à l'heure. Hein. Voilà. Nous quittons le paradis. Et sommes sur le chemin de retour. Ah, essoufflé d'avoir tellement profité. Grillon. Oh. Ah, j'arrive. Voilà, les incendies de forêt sévissent même ici. Les campings est interdit. Et fumer est interdit. Mais j'ai remarqué que les Grecs fument. Alors cette maison-là est à vendre. Super. Alors, voilà ce qu'on voit en arrivant. Ah ben je crois que j'ai encore besoin d'un autre roseau. Hein. Superbe ce conglomérat. Superbe. Voilà. Le paradis sur terre. Sur la côte ouest, peut-être c'est bizarre. Le... Ah, cette crique. Il faut qu'on vienne ici en vélo. Hein. Après, c'est en bateau, en Atalia. Et voilà le calcaire. En fait, c'est même du marbre. Tous ces galets qui sont dans le conglomérat. C'est une remobilisation. Un marbre qui a été redéposé après. Et une ancienne carrière de marbre, là. Les éboueurs universels. Bravo mes petits. Les champions de l'écologie. Ouais, ouais, une belle carrière. Hein. Un arbre. Là en dessous, ce qu'on voyait, donc c'était le conglomérat de base qui précédé cette grande formation de calcaire qui s'est métamorphisée en marbre ici, au contact certainement de l'orogenèse alpine. Notre prochain mouillage. Ça, c'est donc la pointe nord de Spetsé. Nous allons arriver bientôt au port. Et le capitaine arrive. Ça va, capitaine? Et ta casquette, elle est où? Voilà une petite maison de rêve.
pour retraiter. C'est mieux de repasser devant l'Ouen et puis de... Ah, nous arrivons à cette étude derrière cette dernière colline. Hydra, c'est derrière. Alors les premières Cyclades, c'est par là, hein, mais on les voit pas. Capitaine! Atteint l'épaisseur des murs. Ah! Retour chez le locataire de vélo, le loueur de vélo. Deuxième tour de l'île. Voilà notre dernier, juste avant le départ. C'est tout à l'heure, voilà. Fais-moi un sourire. Voilà, nous allons quitter Spetses à regret. Ah, ça c'est le bateau qui apporte l'eau pour l'île. Partons à regret, à grand regret, vraiment triste de partir. Le taxi maritime, marin. Alors hier on s'est trompé, donc on est allé de l'autre côté là. On est allé de l'autre côté. Au revoir, Spetses. Maintenant la grosse sortie.